Il n'est nul seul grec que la Hutchins Beachcomber est pour moi la meilleure guitare au monde, même si elle ne coûte que 500 € ou 520 euros. Je trouve qu'elle a un son unique au monde. Et là, j'ai fait l'achat de la Duddle Bug, qui elle est encore plus délirante, plus psychédélique. 4 micros de style Great Stevie Jones. Avec qui se coupe, on peut tous les mettre en même temps, toutes les combinaisons sont possibles. Là, j'ai mis, je suis en clair et j'ai mis les 4 micros. Après, j'essaierai micro un par un. Donc, 4 micros, ça donne un son finalement assez proche de la Strat, ça marche très bien. J'éteins le micro chevalet, j'éteins le deuxième micro, j'éteins le troisième et je mets sur le micro bridge, neck. Voilà, donc on va voir ce que donne le micro neck. Le deuxième micro tout seul. Si on met ces deux micros là en même temps, on obtient un son hors phase. Les deux premiers micros, je passe à celui-là qui sera un peu qui sonne un peu comme un micro chevalet en fait. Micro bridge qui sonne assez télécaster. En fait, si on veut avoir un son type strat, micro strat, en fait, il faut mettre les deux micros là en même temps. Donc j'éteins celui-là. Micro chevalet. Donc on va voir ce que ça donne maintenant en léger overdrive. Micro manche. Thank you.
fonctionner pour du jazz sur le micro manche. Je coupe un peu la tonalité. Sur la Beachcomber et il y a une case de plus, il fait 22 cases, il a une forme moins télécasterienne, super facile à jouer. Là elle est montée en, je fais mes propres réglages, enfin montage de cordes, donc elle est en 1350, ouais 1350, et j'ai l'impression d'avoir d'être en avec des parce que moi j'aime que les cordes soient, j'aime jouer vraiment avec des, et là on, bizarrement, l'action est super, super souple. Donc, elle est prévue pour du très gros tirant. Vibrato style Gretsch, mais amélioré. Voilà, style Bixby, mais amélioré par les roulements ici. Et on passe les cordes là, ce qui fait qu'on se fait plus chier des heures. La seule chose que j'ai refaite, c'est l'électronique ici. Il y avait trop de condensateurs. Et puis, l'électronique là, enfin j'ai mis des trucs US quoi, enfin vintage, voilà quoi, super guitare. Chins, c'est vraiment pour les guitaristes un peu, comment dire, pas trop techniques et qui veulent sortir des sentiers battus, c'est the brand quoi, voilà.